Yahoo Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Comme tu peux le voir, on change complètement de concept parce qu'on va être sur des cartes Pokémon. Et bien entendu, qui veut dire Pokémon, dit bien entendu la youtubeuse Créakimi. Coucou. Donc on se retrouve pour une ouverture de cartes Pokémon. Il faut savoir que j'aime Pokémon. Il y a Mewtwo et Noctalie que j'apprécie énormément sur les boosters. Darkrai, c'est Darkrai, ça Darkrai, ouais. Et le Pokémon préféré de son chéri, donc de Monsieur F, et puis Mantali, je crois que tu l'aimes bien, toi. C'est pas Mantali, Mantali c'est Mew. Mew, pardon. J'apprécie pas spécialement Mew, moi j'apprécie oui, c'est Noctali. Darkrai et Noctali, oui, les voilà. Deux. Voilà, elle, ça représente vraiment son couple, donc je trouvais ça trop mignon. Puis moi, Mewtwo, du coup, c'est le Pokémon vraiment par excellence, c'est l'amour de ma vie. Donc quand j'ai vu le duo pack avec vraiment nos Pokémon, c'était une évidence qu'il fallait que je l'achète. Donc on se retrouve pour une ouverture et ben on va faire en fait un duel, quoi en fait. Ah, comme tu veux, si tu veux, on se fait un VS. Voilà, on va se faire un petit VS. Qui aura la meilleure pioche. Voilà. En plus là, c'est bien, c'est que c'est vraiment ton booster. Bah ça pour le coup, c'est bien aussi. Hein. Oui. Oui, mais moi j'aime bien Noctalie, tu vois, par rapport à... Tu préfères Mewtwo à Noctalie quand même. Ah oui, largement. Ah bah voilà. Ne demande pas de tromper l'amour de ma vie. Là, c'est l'amour de ma vie. Là, c'est comme Léo de Vix. C'est la même chose. Attends, je suis paumée là. K-pop, moi je suis perdue, les gars. Non, mais c'est la même chose en fait. C'est comme si tu me demandais de choisir entre Léo et quelqu'un d'autre. D'accord, ok, voilà. Je note. Voici le numéro 1. Donc on va ouvrir tout ça et puis on vous retrouve juste après. Donc on va vous montrer juste vite fait un petit peu les objets d'un peu plus près. Donc pour le badge. Voilà. Un petit brindibou. Un petit brindibou pour changer, j'ai envie de dire, voilà. Mais c'est ça, toujours en vert. Ouais, bah ouais, complètement. Toujours vert. C'est en général, c'est en rapport avec le type du Pokémon ou sa couleur de base. Ouais, d'accord. Là, c'est Amaama, une ultra chimère. Oh, il ressemble à rien, honnêtement. C'est une ultra chimère. Toutes les ultra chimères ressemblent à rien. Je vois même pas l'intérêt en fait d'avoir des Pokémon comme ça. En vrai, si tu sais pas que c'est un peu, ça fait partie de Pokémon, tu peux pas deviner. Non. Donc le code online, on le met de côté et ça sera sur la chaîne de Créakimi. Voilà, merci. Ça fait ça. Et donc les petits boosters, bon, je pense que... Hop là. Nyon. Ouais, le focus se fait, je pense. Si, oui. Ouais. Super belles illustrations quand même. Et mon Mewtwo d'amour. Ouais, l'amour de ma vie. Voilà. On va mettre dans le bon sens parce que Créakimi est là. Voilà, et moi je suis là. Donc on fait comment? Tu veux, on l'ouvre en même temps et puis... Ouais, ouais. On découvre au fur et à mesure. C'est 1, 2, 3... Oh non, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour tous les soleils et lune. Ouais. Ouais, je l'ai pas bien ouvert. Ok. Je l'ai pas très bien ouvert. Donc normalement, les cartes sont faites pour que... Voilà, tu t'es juste ouais. Le code online ici. Donc ça, les codes online, ce sera sur la chaîne de Créa Kim. Okay. Tous. Hop. 1, 2, 3, 4. Tu fais 1, 2, tu les mets par-dessus, toi? Ouais, parce que en fait, le 1-2, c'est ouais. La river, c'est la rare. Moi, si je l'ai choisi 1-2-3-4 et basta. Ouais, si tu veux, tu peux faire bon, ça aussi. Oui, mais bon, c'est pour que ça soit normalement, ça marche. Donc, mon glouton. Attends. Oui, on n'est pas si. Oui. Mon glouton. Doudouvé. Doudouvé. Ah, j'aime pas en tricot, moi, je sais pas. On remarque le dessin là-dedans. Ouais, j'avoue, j'ai envie de dire. Dis rien. Exagel. Ça, Exagel. Exagel, ouais. Et Stalgama. Ah, t'as vu deux glaces. Funessir et chouette. Il est trop mignon. J'aime bien l'illustration, elle est ouais. Propre. Celle-là, elle est mignonne aussi. Rototop. Meditica. Paracool. Sonistrel. Mm-hmm. C'est vraiment des Pokémon choupi, moi. Énergie. Combat. Metal. Oui, seul. Rouge. Oh, plein de légendaires, trop cool. Les deux en plus, ouais. Ouais. Créfadé et Cresselia. Créfadé, oui. Excellent. Ah. Mémoire balle. D'Eden. Il est mignon, d'Eden. Oh, le Lumérion. Oh, bah, Tauros. Elle est stylée. Oh, elle est badass. Elle aurait trop pu être holographique, celle-là. Ah ouais. En holo, elle aurait été sympa. Alors, la Reverse. Ah bah Ezagel. Riolu. Il est mignon, quoi. J'ai un truc. T'as un truc, ouais. J'ai un truc. Non. J'ai garde. Wow. Oh, la vache. Mitsibu. Waouh. Elle est trop belle, cette carte. Ah bah, tu vois, j'ai le coup de chance, dis donc, pendant la le... vache, eh. Et n'empêche, voilà. Le Zygarde, il est pas dégueulasse quand même. Hein. Attends, il est super hein. Sympa. Mais ouais, Mistibule. Hein. Tranquille. Vache. Tranquille, la meuf. Et ben voilà, hein, ma foi. On sait qui a gagné là, c'est sûr. Bon ben ouais, je pense que le vote n'est pas forcément nécessaire. Après, non. Si vous voulez débattre dans les commentaires de qui a gagné,
qui vous avez peut-être les Pokémon que vous avez préférés. Donc j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, la commenter, pourquoi pas la partager. N'oublie pas surtout d'aller voir la chaîne de Krakimi. Donc je précise, elle fait des ouvertures de Pokémon, elle fait des ouvertures de My Little Pony, de plein de choses. Elle fait des créations Fimo, des créations en pixels, etc. Et donc allez voir sa chaîne, elle est géniale. Et puis c'est ma meilleure amie, donc ça me ferait très plaisir si sa communauté grandissait. Voilà, se mettait à grandir d'un coup, ça me ferait très plaisir. Voilà, la vidéo est à présent terminée et sur ce, à bientôt. Tchuss.